Mes amis, bonjour et bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto, on va appeler ça comme ça, sur Fallout 4. D'ores et déjà, je vous fais voir où je me trouve sur la map. Je suis juste au niveau de l'antenne régionale de Battal, vous savez, dans cette grande ville que vous croisez obligatoirement sur votre route, juste ici. Une fois que vous serez entré à l'intérieur, vous allez pouvoir vous diriger par ici et tout de suite sur votre droite. Alors là, effectivement, il n'y a plus personne puisque j'ai fait le ménage au préalable, évidemment, avant de tourner la vidéo. Et vous allez donc vous diriger vers ces cellules qui renferment un trésor. Oui, messieurs, dames, un trésor. Après avoir crocheté habilement la serrure, vous allez pouvoir enfin pénétrer à l'intérieur et découvrir cette arme incroyable, The Fat Man. Une fois récupéré, vous allez pouvoir faire une petite razzia à l'intérieur de ces cellules. N'oubliez pas la petite ogive, la mini ogive nucléaire qui se situe juste à vos pieds. Ce sera une munition évidemment pour cette nouvelle arme que vous venez de trouver. Et là, vous allez pouvoir vous faire plaisir puisque déjà vous allez pouvoir ramasser du bourbon, du whisky que vous pourrez revendre assez facilement. Et il y a pas mal de munitions. Il y a aussi des boîtes de cigares et des cartouches de cigarettes que vous pouvez revendre aussi. C'est très intéressant. N'hésitez pas à tout checker. Ici, vous avez plutôt un coffre qui contient aussi pas mal de stuff plus qu'intéressant. Et pour finir cette petite razzia, vous n'aurez plus qu'à vous diriger vers le fond où là vous allez retrouver des soins. Il y a encore quelques cartouches de cigarettes qui traînent et ici vous aurez des radix, des steam packs. Vous avez un gros coffre-fort mais vous ne pourrez pas l'ouvrir à moins que vous soyez expert en déverrouillage. N'oubliez pas au passage ce petit sac de voyage qui renferme encore des munitions et quelques petits trucs sympas. Franchement les gars, c'est une salle à ne pas louper dans le game. Alors bien sûr, j'ai pas pu résister à une petite mise en situation pour vous faire voir un peu les dégâts que peuvent procurer cette arme de dingo. Voilà messieurs, dames, il ne vous reste plus qu'à vous faire plaisir. Alors bien sûr, c'est une arme assez conséquente, hein, il va falloir faire de la place pour l'emporter, elle est très lourde. Mais n'hésitez pas à vous faire plaisir dans le game avec cette arme de dingo. Je le répète encore une fois, à très vite pour de nouvelles aventures sur Fallout 4. Ciao.